très heureuse de vous retrouver. Et je sais que c'est de même, je crois que c'est de même pour vous, parce que vous attendiez votre émission Génération d'Hélène sur Raga TV, bien sûr. Génération d'Hélène qui a totalement changé, qui a en plus d'avoir d'être sur Raga TV, en plus de cela, Génération d'Hélène aujourd'hui a la primus. La primus qui est toujours leader, qui était leader, qui est leader, qui sera leader. Je suis très heureuse de vous retrouver avec ces demoiselles, ces messieurs, pour qui je demande d'applaudir pour eux-mêmes, parce qu'ils sont très beaux, hein, très belles pour vous cet après-midi. Alors, pour pimenter un petit peu votre week-end dans cette émission Génération d'Hélène, nous allons essayer quand même de vous proposer plusieurs artistes, plusieurs personnes qui viendront en tout cas, si pas les artistes, des représentants qui viendront un petit peu nous parler, parce qu'il y a plusieurs événements qui se préparent. Il y a des artistes qui préparent de grandes choses dans la capitale et à l'extérieur du pays. Et ils méritent qu'on en parle, ils méritent quand même qu'on y jette un coup d'œil, ils méritent vraiment, vraiment, sincèrement votre attention à vous, mes chers téléspectateurs, parce que vous êtes les téléspectateurs de cette émission Génération d'Hélène, mais en même temps, vous êtes les fanatiques, le public, ceux qui soutiennent notre musique angolaise, cette musique qui est tellement forte, cette musique qui est extraordinaire et cette musique qui nous fait bouger et s'avirer dans tous les sens en tout cas. Alors, nous allons commencer tout d'abord, nous allons tout d'abord vous informer que je suis là avec toute une équipe technique conduite par le réalisateur Raph Ngindou, que vous avez déjà si bien entendu, souvent entendu dans cette émission Génération d'Hélène, parce que c'est lui qui la réalise. Et Raph Ngindou a toute une équipe d'excellents cadreurs. Ces excellents cadreurs, et là je pense à Nono Numbi, à Sele Mangaya et Lusala. Ça c'est le véritable ou bien le véritable. JR, Lusala, le véritable, et je n'oublie pas Kante Kapena. Kante Kapena, vous voyez, il joue un très grand rôle, hein, très très grand rôle dans cette émission Génération d'Hélène. Je vous cite ces noms parce que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que ce travail est fait. Et j'aimerais que ces demoiselles et ces messieurs applaudissent pour ces excellents techniciens, cadreurs et le réalisateur de cette émission Génération d'Hélène. Alors, nous allons vous proposer dans cette émission, vous aurez quelques playbacks. Vous aurez ainsi donc, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, hein, si vous, oh là là, aïe aïe aïe, je fais comme d'ailleurs. Hein. Alors, je disais, nous allons vous proposer dans cette émission Génération d'Hélène, vous aurez quelques playbacks, vous aurez un concert, ou deux, ou trois, on verra. Mais nous allons parler dans cette émission de Wenge Muzika Maison Mère. Je signale la présence de King Tequila ici à Kinshasa, nous allons le recevoir. Nous allons parler de Fally Ipupa di Cap, la merveille, et Sanjo, se trouvant à Paris pour l'enregistrement de l'album Arsenal de Belles Mélodies. Nous allons aussi parler de Chetani Gola 12 Malin, Ferre Gola, qui cet après-midi sera à l'IPEN pour l'Open Day. Ces artistes viendront nous parler un petit peu de Ferre Gola qui se trouve à Brazzaville. Il est déjà dans une heure maximum, il sera déjà à Kinshasa. Mais nous allons aussi recevoir Sandra Lina, qui était avec nous il y a quelques semaines de ça, mais qui revient parce qu'elle a une nouvelle information, une nouveauté. Alors, vraiment, je pense que vous allez être satisfaits. Et d'autres invités, je vous les garde, hein, je vous les garde. Ou sinon, il n'y aura pas de surprise dans cette émission. Nous allons aussi parler du quartier latin, nous allons en parler. Nous allons parler de mon Pao Sarkozy, qui en ce moment a le bibor et Zanango na Komboté, l'album du patron. Nous allons parler de ce groupe. Alors, rapidement, je tiens quand même à demander l'autorisation de la réalisation, qui est bien sûr chapeautée par Raph Ngindou, pour d'abord danser. Mais là, vous voyez la primus. Vous voyez la primus qui est leader. La primus qui est leader. Primus, la bière, oh, y'a bas dans le Congo. Donc, bière, oh, y'a bas dans le Congo. Bien, quoi, triple à la mouki, bien, bière, oh, y'a bas dans le Congo. Ah, ils ont des primus, quoi. Ah, tozalaka, tozape, tozalaka, kaka. Ndenge mon gana, quoi, triple H, big mama, maman la Bianca. Azalaka, aza, père, ozalaka, kaka. Yangwa lundi, leader, primus. Sans plus tarder, voici pour vous Fally Ipupa lors d'un concert à Bruxelles, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission Génération d'Hélène. C'est parti. Ah, ah. Ah. Ah.
souffle. Tout le monde. Bajalouya mama evi. Evi. Bajalouya mama evi. Basanga ni bula na bula na bandoki pona ko panzani bala evi na gome. Tiens. Tiens. Seba confondre bino. Et y a des maloukoula si Jean-Marie. Bajalouya mama evi. Evi. Bajalouya mama evi. Basanga ni bula na bula na bono ki pona ko pana li bala evi na gome. Tiens. Tiens. Seba confondre bino. Ah. Bolingo babanda babinde. Babanda bomwana. Fali Poupa, c'était lors d'une production en Bruxelles. On va sûrement revenir sur les images parce qu'on aura les artistes du groupe qui ont accompagné Fali Poupa lors de cette production. Ils seront là avec leur porte-parole, Alain Zambé. Alors, sans plus tarder, comme le temps est tellement précieux dans cette émission, nous allons tout d'abord, je vais me lever, hein, et pour le plaisir de vous qui nous suivez, vous qui savez que dans quelques temps, le groupe Wenge Musica Mes en Mer va quitter la capitale pour aller livrer un grand et un méga concert au Zénith de Paris. Je demande, sous les applaudissements du public, de recevoir nos amis du groupe Wenge Musica Mes en Mer, s'il vous plaît. Eh oui, une délégation accompagnée par King Tequila. Grand plaisir pour moi de te recevoir après un bout de temps. C'est la première fois que je te reçois ici, en tout cas. Big Mama. Oui, Mama la Bianca. Beaucoup de bonnes choses. Sexy man, toujours posé. Je vois que ça va, quoi, ça marche. Hein. Ouh, ben alors prenez place. Hein. Je signale que nous allons essayer de trouver aussi les éléments et tout avec le groupe Wenge Musica Mes en Mer. On va leur trouver les images. Comme ça, on verra un peu. Parce qu'il y a des productions, il paraîtrait. J'ai suivi en images. Il paraît que Werrason a failli vraiment nous revenir en morceaux en Angola parce qu'il y a eu vraiment. Je crois que les images seront là avec la complicité de Money Production. Alors, je crois que le micro pourra arriver jusqu'à... Ouais, garçon sexy, ça va? Donc ça marche, hein? Ok, bah, alors, avant que nous donnions la parole à King... Ah, on a King, c'est vrai que bah, préparatif, les eaux continuent. Les eaux qui nous n'est... L'ensemble des moyens utilisés pour... au profit, donc c'est-à-dire que nous avons entreprise Mamit, son excellence ambassadeur de la paix, en tant qu'entraîneur et équipe nationale, où ils ont vraiment qu'on défendre couleur et la République démocratique du Congo, ah vraiment formation, ils ont les cas très très bien. Donc, tous en nous n'a pas préparatif, vraiment, n'a pas responsable de la République démocratique du Congo, donc l'autorité à Mboka, Boutia vraiment mis sous Mingi Mingi na Oyo, son excellence ambassadeur de la paix au Salat. Tout le monde a chaque fois ce qu'équipe n'a pas football, les Obima, les Okin de la compétition, Yaminene, tout le monde a pas contribution et Salamaka partout. Wenge Musica Mes en Mer, équipe nationale, il y a musique, il y a Mboka Nabiso. Donc, tu sais, on a pas mis capé, coach a mis sous Kuna Poto, ça vraiment toujours na maquille, toujours préparé Poto, tout défendre Congo dans Nengezalaka. Congoza, pays Mokomunene, où ils en ont un talentier, à travers où ils en sont des Tomekara, qu'on découvre Bango, quoi, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Alors, on va essayer de demander à King de s'approcher un tout petit peu vers l'avant. Ouais, ouais. Et là, ça sera bien sûr pour que notre ami qui nous suit de très loin, hein, et là, je pense à Jojo Mandiki Mapata. Ah oui, Jojo Mandiki Mapata. Ben, on va revenir tout à l'heure dans quelques instants. C'est toi qui vas conclure, vu que tu es notre hôte. Ben, alors, Ndego Naraboni, ça va, hein? Ouais, bien. Non, elle est là-bas, philosophie, non, ma casse, vraiment. Vraiment, la merde. Faut qu'on m'en livre. On a aux premières acheteurs, on peut attendre la philosophie, on est là. Ouais, vraiment, plaisir à danger. Vraiment, donc, l'isolo, les amoko, bana Kini, bana Congo, bana partout, aux autres, en Abisso. Bouébi, on est tenté de préparer donc événement moi à Munene au République démocratique du Congo. Ma base c'est le déplacement équipe nationale et de défendre ma couleur quoi.
Parce que comme nous vivons l'époque il y a Maya Sika, les rois de la forêt ont ça là vraiment fort pour Zenith Oyo et Zala Sika et nous on a des musiciens à Sika pour découvrir vraiment la Maya Sika quoi. C'est pourquoi aussi le premier jour il y a mercredi, il y a un police na mardi, na lundi donc pour te faire travailler ba musée au bar pour défendre les couleurs na carte Zenith. Toti qui ne s'y croit jeudi pour permettre à ma fanatique tout bas au tel vraiment les mêmes que oui pour la philosophie, la website, ma fanatique, nous sommes souqués. Au moins, les rois de la forêt, en tant que lion indomptable, incontestable, vraiment la musique à Congo. Après ça, moi, donc, ma casse, c'est ma mise. Nous avons beaucoup de choses qui me savent, mais oui, na ba ma casse, na eux quoi. Y a un moment, la website, ma fanatique, nous sommes souqués. Au moins, l'idéologie considère non seulement la coexistence du sujet de l'objet et ne se limite point au pôle objectif de la réalité. Mais il y a une réalité, j'espère que vous comprenez que vous avez peine que livre ou les titres et ça a une importance dans la bibliothèque. Bon, habitez tout le monde. Merci beaucoup, vraiment. Alors, King, sois le bienvenu à Kinshasa. Merci beaucoup, Big Mama. Depuis quand Ça fait exactement 8 jours que je suis sur la terre de mes ancêtres. Oui, oui. Et bien sûr, quand on te voit à Kin, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très important. Oui, en fait, je suis venu pour deux missions spéciales. D'abord, me rendre compte de préparatifs du grand concert que le groupe Cher au Peuple Congolais, Wenge Musique à Maison Mère de Son Excellence, l'ambassadeur de la paix, va livrer le 8 novembre dans la plus grande salle qui est connue en Europe, le Zénith de Paris. Et après, je suis venu également procéder au tournage de clips de l'album Sans Poteau, The World, The Best of World Music, Yahweh Rasson. Donc c'est ça le but pour lequel je suis là. Bah, en tout cas, on attend cet album, j'espère que ça va ouais, aussi. Ouais, déjà tout est prêt là. Mais il faut... Non. Moi, polémique. Non, ça c'est une autre dimension. On voit une première dimension sous ce monde. De quoi tu as raté local. Local pour un nid, qui va mon arabe sera alors que la photo. Tout le monde se rend compte que non, il y a un seul artiste africain, je dirais bien africain, qui fait l'honneur de l'Afrique. Lelo Tango Obama, Lelo Oyo, a sollicité staff technique, il y a Wenge Musique à Maison Mère, pour qu'il puisse soutenir Yé, c'est parce qu'ils savent que le monsieur Werason, c'est un véhicule de message. Vraiment, la Sengina Didi qui nous a une place à Zali, s'il peut faire quelque chose pour que cette équipe puisse rentrer. Vraiment, ils dorment par terre. Les filles, il y a une place à Bosokulade. On a lancé un appel au Nabatabandou. Tout. Il y a Potokuta. Merci beaucoup à toi, King Tekile. On va bien sûr vous accompagner sur les applaudissements. Merci à vous, bye-bye. On se retrouve très prochainement. Et puis, bonne chance à Werason. Et quant à moi, j'en profite pour vous dire une chose. Il y a un homme qui a été élu président de la communauté congolaise résidant au Kenya. On l'appelle Jojo Mandiki Mapata. Ah, Zali Mapata. Pour Otala Likolo, aussi solution. Mais je remercie infiniment l'établissement Adi Mutu. En tout cas, Adi Mutu n'est pas la mère double, mère Esther. Narobeta tout l'établissement Adi Mutu. Pour la coûte, la mère double. Mère Esther, on a Zoya. Mais ça va, ma passe en beauté. Il y a ça, on a triple H. Big Mama, ça, Kanate. Avant, il y a toujours. Kaka, les l'a raté. Kaka, Kozoa, Kaka. Et je remercie infiniment. J'ai reçu un coup de fil avant le début de cette émission d'une consoeur qui travaille de l'autre côté. J'aimerais lui faire un clin d'œil et bien sûr lui dédier toute cette émission. On l'appelle Barbine Zimbi. À toi, Barbine Zimbi. Gros câlin et j'espère qu'on va se rappeler tout à l'heure. Hein. Alors, on va évoluer dans cette émission en vous signalant que Leti Bipendu Tibambe, donc Leti Bipendu Tibambe, a rota la quoi triple H. Et bon, tu bambalo. Hein? Voici maintenant, mesdames et messieurs, nous allons accueillir, sous les applaudissements, Kissinjora qui arrive bien véhiculée parce que je vous signale aussi que elle nous l'avait quand même signalé, elle nous avait dit que, et si Rakei, proposer l'or à Malonga. Ah, voici donc pour vous, mesdames et messieurs, Kissinjora qui arrive dans cette émission Génération d'Hélène. Et je crois que vous remarquez, tout se fait complètement en direct. Nous sommes totalement en direct. Et c'est comme ça ici que ça se passe. Oui, et bon, et soité, caca, je rappelle encore, et soité. Et je vous signale que Kissinjora désormais va parler du groupe Collège Noble. Kissinjora. Comment vas-tu, Kiss?
Très bien. Ça va? Ouais, ça va bien, merci. Ben alors Kissinjor, na moni pena ko lobaki samedi dernier. Samedi passé. Et salami. Et zalaki ndeni poto tous a toujours un système car. Ouais, merci Alain Galema, merci ba tutu bazola na ngai. La Raga TV en a quand le plus la Raga plus partout au monde. Pas à chaîne au monde entier. En tout cas, on a d'accord na likani so amala mo. Na pas na zore mesela no Dieu. Na ndenge lo nga Kissinjor na souffrir na musique yo ebi. Donc Moussa na souffrir na et c'est rendez wana. Moi voiture dit ton quand on va ba l'émission vous allez très bien. Merci bien à présent Sonia et tout Mungwe Koka. Le micro n'a jamais Mungwe Koka. Mungwe Koka. Koka. Sonia et tout Mungwe Koka. Eh bah bien Mungwe appelé et Koka. Mungwe appelé et Koka. Donc il y a plein de vous allez très bien. Merci Nabino. Papetina Nalo. Olongolo. Toke Kolozo. Et pas à Sonia. Et tout Moto Yambongwe. Sonia, moto ya mbongwe. Echomo, moto ya mbongwe. Selemani, moto ya mbongwe. Sonia, moto ya mbongwe. Alors Sonia, ça date echomo. Ya solo rappe moto ya mbongwe. Alors vous avez 2 millions, c'est 3 millions, c'est 4 millions, c'est 5 millions. Ah, via qui c'est toujours bien bongi quoi. Donc Nicolas parle là. Moi, clé quoi. Mais alors, entre-temps, pendant que Kotikuna, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons préparer dans le collège, dans le tozo de la Sceptre. Sceptre, album Ozoya, album Magitoko, au monde de Tiezo, c'est la Kimomba, dans la Brazzaville, et on va dire Magitoko, ça va être un monsieur, on va développer, on va aimer, mais quand on a créé, on va aller, on va danser, on va aller, on va jouer au Koutouté. Donc, il y a un monde au Koutouté, en tout cas, la fanatique, tout va aller, on va aller, on va aller, on va aller, on va collège des nobles, mais ça va aller, on va aller, on va aller. Demain, lobby de la concert, car on a la loja, la direction Gambela, on a la fanatique qui va venir à Sobayana. Au moins, la surprise, Une chanson qu'on va tirer de l'album El Vodo, signé Eden Musica. Eden Musica, vous vous rappelez cela groupe Wana? Oui, groupe Wana, donc il y a trois mètres de musique bien. Il y a présent dans Gabit. Gabit à Kaboué. La minute, tu as à Dubaï vraiment. Tu as à Dubaï. En tout cas, Nagoutou, et Zagine, ceux qui vous proposent au thé, il y a Zagine et Ben Wana. Je me rappelle, Zagine, le bon message, moi, je l'ai sonné, tu vois. En tout cas, Gabi a kabo abimisi larnae. Abimisara larnae, abimisi larnae pour ba clipé ça la meilleure qualité. Et puis, aza quoi assurer la ba mélomanie ce que le 10 octobre, l'album El Vodo sera sur le marché. Beaucoup d'amour à Sonima. Alors, voici pour lui. Dédicace spéciale à Gabi à Kaboué et Longona Maman Mapasa. Bola Nanzemboyo, Tokutanissima. Et oui, quand même, vous avez pu reconnaître le groupe Eden Musica. Là, c'est vraiment un groupe qui est soutenu par Gabi à Kaboué, qui nous suit en direct de Dubaï en ce moment. Et je vous rappelle que le 10 octobre, l'album sera sur le marché. Alors là, maintenant, on va accueillir avec la complicité du public qui m'accompagne, hein, un public sélectionné. Vous pouvez, je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez venir participer, vous pouvez venir. C'est tout à fait simple, vous pouvez donc venir participer à cette émission. Nous allons avec la complicité du public qui va vraiment, vraiment applaudir avec plein de cris de joie. Nous allons accueillir cette fois-ci. Ils sont allés
Ils ont fait une tournée européenne, mais depuis le retour à Kinshasa, on n'a pas eu l'occasion de les recevoir. Sous les applaudissements, voici le groupe de Chetan Igola, MP4. De retour, un petit bisou quand même, bon retour. Merci. Vraiment, merci beaucoup, ça va. Ouh, Freddy, Bonnie, ça marche. Non, à mon niveau, moi, ça marche, quoi. Alors, ça va, Ndego? Ouais, ça va. Bon week-end, non, non, yo, Hélène Kalema. Merci beaucoup, bon week-end. Triple H. Big Mama, maman a bien ka. Big Mama. Il y a Gaillard. Ouais, ouais. Tu vas bon week-end à l'autorité, tu es Mboka. Tu es le leader de l'orchestre, tu es Congo. Tu es Ouisa. Nous avons une vibration, un paiement. Le capitaine de l'équipe, chef du gouvernement, il y a Chetan Igola, MP4, des offices de Niance. Azawapi actuellement. Mon compte Azawapi déjà dans ma belle en Mboka, on est déjà Congo. Si vous m'en avez pas, on a créé une image. Jésus de Niance, mon compte on a profité pour saluer, on a parlé en place à la résidence. Azola n'a pas on a créé un golo, un guerrier au Saranati. Lélo, nous avons un IPN. Open Day. Open Day pour les étudiants, les étudiants, on a pas tout, il y a IPN, on a pas tout, on a la bonne musique. Nous avons parti à Pennez vers jusqu'à l'homme. Non, mais ça, on a été open day jusqu'à l'aube. On a tout donné à Tango, on a déjà. Il y a monopolisé nos paroles. Maman, ça va. Freddy Makola Dea, et tout m'appelle le chant. Alors, le roi Freddy a une guitare là, avant tout Kabwana. Il faut tout savourer vraiment. Quoi. Tout le monde a une. Alors, Freddy, micro, il a tout juste là. Dea, directeur artistique, ça va. Ça va. Mon mine, ça me bourre. Vraiment, c'est simple. Donc, quand on est MP4, Azoko y en a qui c'est. C'est la mort. Pour moi, il y a qui c'est. Na qui c'est, c'est la mort, vraiment. Donc, je remercie mon conseil de la mort qui est en train de se faire. Pour le roi, vraiment, il fallait que les gens comme il est. C'est bon. Donc, Jésus de Niance, chanteur. Il est tout à la 5e génération. Il y a Bétana Wenge, musique 4x4. Donc, il est rebellé, soit disant 5e, il y a un écran. Donc, il y a un système à jean. Il y a un talon là, il y a un talon là, il y a un plus ou moins kilo. Il y a un talon là, il y a un talon là, basket. J'ai mis au simple la cause, donc à ça, on a déjà calé au bandeau. Bilili a libre sur le bâti, sur le côté de système internet, sur mon première prestation. Ndenge habita, donc Karan Yamaki est derrière toi, Ming, tu es dans l'album Oyo. Album Oyo, biso banga, tu es aussi si planté dans la poche. Les gars, là, c'est un nom minuit si la thé. Biso toi, la racine, MP4, Jésus de Niance. Tiens, aux heures à sens interdit à Kalaranzela. C'est le siba foyer, ma maman. Sangoye linga ina salaki nanga iteo. Tanali sanga fedeza na polo santaye. Yo kamatanga na panoti nanga na parie. Na sela kayo na poto sa feina ne. Ngaina sili siba foyer ya parie. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance en tout cas. Nous serons là dans Ipen Potosoa Open Day tout à l'heure avec Jésus de Niance, Ferregola. Merci à vous et à la prochaine fois. Ouais, merci beaucoup. Nous allons poursuivre dans cette émission, mais j'aimerais aussi parler un petit peu de Céleos Kram. Céleos Kram avait promis. Il avait promis que le 24 septembre, Ekolikate, l'album sera là. Nzoto na nzoto, Robetana, Bisonabino nzoto na nzoto. Céleos Kram nous a promis et a réalisé sa promesse parce que depuis mercredi dernier, l'album se trouve déjà en vente à Kinshasa. La cassette est là, Nzoto na nzoto et Bimaki. C'était vraiment un succès terrible dans la maison, dans l'établissement où ils avaient distribué côté la cassette à Céleos. Les images vont défiler. Dans cette émission, nous allons vous proposer aussi un petit morceau parce que nous allons recevoir les artistes du groupe, ceux qui ont accompagné Céleos dans le travail qu'il a abattu, un travail bien fait dans cet album Nzoto na Nzoto. Mais à part cela, hier, vendredi, Céleos a reçu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est éprouvé. En ce moment où je vous parle, Céleos est très triste,
très touché par la perte de quelqu'un qui lui était vraiment très très cher, en la personne de 150 que nous connaissons si bien. Toeba est bien, Autécotique Abisso. Yangweza n'a pas si mingi lelo. Ngaï vraiment personnellement, n'a moi pas si mingi yoyoka biyoka yokaona koyoka lelo. Et ça n'a pas si vraiment. C'est le Oscar, mais n'a pas si n'a mawa. Mais qui chasse à l'école à Tolingara, moi parle bien, hein, moi parle l'autre, moi trop, et comme moi n'est-il, oh non, moni, hein, moni, c'est le aller, c'est le salibre, et quand même, hein, Congo RDC, capitale aux Akines, vraiment, n'a évité quoi. Est-ce que ça vraiment moment pour le babongo? Est-ce que y est, on a évité quoi? Pour, moi je crois, sincèrement, gars, personnellement, je crois que. Nul n'est plus, nul, personne n'est puissant à part l'Éternel. Alors quand quelque chose arrive, quand il y a la vie quelque part, c'est l'Éternel qui a donné. Et quand la vie part, c'est toujours l'Éternel qui reprend. Ce n'est pas la peine de chercher à faire des polémiques parce que l'album n'est bimi mercredi et que vendredi, à Jusangwamawa, Tolingato Sangisa, les deux, c'est vraiment pas la peine. Quoi. Mais entre-temps, Célo sera donc à Brazzaville, je crois, dès demain, il sera à Brazza. Pour une soirée dédicace au Château Rouge, à Brazzaville. Nous allons maintenant... Mais on va quand même un peu souffler quand même. Hein. On va retrouver encore un peu... On va aller en Belgique. On va retourner en Belgique avec l'accord de Rafngin. On va retourner en Belgique pour retrouver Fally Ipupa qui prépare l'album L'Arsenal de Belles Mélodies. Et juste après, vous allez nous retrouver sur ce même plateau avec... ces artistes et ainsi que Alain Zambé qui vont venir nous parler un petit peu des préparatifs, comment, qu'est-ce qu'ils font pendant l'absence de Fally. Et si on est prêt du côté de la réalisation, je crois qu'on va carrément retrouver Fally Ipupa en concert en Bruxelles. Merci. Solo. Olive collège, ma foi, viens Gilles, et Botibana, Marcel Nano, DJ Nabisso. Et dans ta désida, nada vie, Vesaya Kado Bokolo, Banana Bisso. Basana Posa. Applaudissez quand même pour Fally Ipupa, qui sera avec nous prochainement, hein, très prochainement, parce qu'on va en savoir plus avec. Alain Zambé qui est ici et le chef d'orchestre Antele Kounyanga. Il a été élu chef d'orchestre pendant que je n'étais pas là, mais Sangoka a tellement tout ça, loin des yeux, comme on le dit, mais près du cœur. Bah, alors, Alain Zambé Boni, ça va hein? Ouais, donc merci Big Mama, Mkounzaba Mama. Donc, pour la bande vraiment, mon Kende, moi, mon Sikate Pembeni, ma combo y a du Cap La Merveille, R. Maradioche, ma combo y a Bureau Mobimba. Donc on a présenté la condoléance à Misso, à Moto Tourané, depuis le temps, depuis le jour, donc c'est le SCAM. Donc ça, on a toujours au cœur. Quoi. Donc là, on a gardé un peu dans tout à l'heure.